Mais si, je te la piquerai, t'inquiète pas. Non, loin de terre. Je m'en fous des royautiers. Hop là, donc, bah salut tout le monde, je Bonjour à crois. tous. Voilà, mais je crois que c'est pas Kalaz. Je crois que oui, c'était moi. Je crois que de mon côté, c'est mon tac qui en a compagnie. Bah ouais, c'est moi. C'est bon. Comment ça va? C'est magnifique. Bah, ça va bien et vous? Et vous? Ah, merci de me vous voyez. Bah écoute, je vais très bien. Donc, t'expliques là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va faire, on va jouer à The Binding of Isaac. Alors faut savoir qu'on est très très doué. J'ai dû jouer approximativement au moins 10 minutes avant de rage quit la seule fois où j'y ai joué. J'ai aucune idée, je sais qu'il y a des items, je sais qu'on peut dropper plein de trucs, mais je sais que je vais mourir un petit peu misérablement, mais c'est pas grave, ça va être rigolo. Hein? Bah ouais, c'est ça qui est bon. Ah, je vais vérifier rapidement. Coucou, regardez là. Oh là là, oh là. Je suis en train de leur faire le coup de l'écran infini, tu sais. C'est Bah magnifique. c'est n'importe quoi. Bon moi je suis sur la section, j'espère qu'il n'y a vraiment pas de bruit de fond parce que j'entends les voitures qui sont en train de rentrer dans ma cour et j'ai pas envie de fermer ma fenêtre parce qu'il fait beau aujourd'hui chez moi pour la première fois depuis des mois. Alors, je suis super heureux. Bah écoute, et moi de mon côté, bah y a pas de bruit comme d'habitude. Je suis dans un village qui C'était est tout calme mort. ici. Voilà. Bon, alors, je vais expliquer un petit peu le principe, les amis. D'un côté, il y a le live de Paka, hein, donc qui est sur Voilà. sa page live. Super bien live, trop cool. Voilà. Et du mien, il y a toujours le même live. Bon, sauf que là, toi, t'as mis en 480 au final ou pas? Je sais pas, je l'ai mis comme c'était. Ok, donc en 720. Donc voilà, donc sauf que lui, il a la meilleure qualité, mais il a moins de skill. Donc voilà, après, c'est à vous Ça de... se trouvait. Enfin, je parle pour ceux qui sont sur le live. Pour ceux qui avaient la rediffusion YouTube, il y a de grandes chances que je mette les deux écrans côte à côte. Ouais, je pense que j'essaierai de le faire aussi, tu m'expliqueras Bah comment. ouais, je t'expliquerai comment faire. C'est pas très compliqué en plus, hein. Ouais, non, mais tu m'expliqueras ça. Je pense qu'on va commencer avant que les gens s'impatientent. Bah moi, j'ai personne sur mon live et de ton côté, je vois qu'il y a personne qui parle, donc... Oui, mais disons que s'il y a une rediffusion, il y a des chances qu'il y ait des gens qui regardent et s'ils doivent nous écouter parler pendant 5 minutes et qu'il ne se passe rien à l'écran, bah ça va être pas Ah tiens, catastrophique. si, ça y est, j'ai Samchi, on peut y aller, donc attends, juste... salut Samchi, donc je te file le lien. Bonjour, Samchi. Ah bah merde, ça c'est ma page Twitch. Copier l'adresse du lien, voilà, non, ça c'est, voilà. Tiens, voilà, prends ça, Samchi, voilà. Et hop, sur ton live, je vais juste mettre ça, histoire que tout le monde sache que, voilà, je suis là. Voilà, et voilà, donc voilà. Donc c'est parti, alors ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va lancer... J'aurais peut-être dû ouvrir ton truc de chat aussi de ta chaîne. Bon, de toute façon, je le Voilà. lirai ce qui Ouais, sera dit, donc tu voilà. liras. Allez. Bon, je te Voilà. propose qu'on y aille, qu'on commence. Ok, donc ce que je vais faire, c'est... Enfin, on appuie en même temps sur Start. Attends, appuie sur Start, dis-moi quel personnage tu as déjà. Ouais, moi j'ai que Isaac, hein. Il y a Ah les autres merde, le aussi. problème, c'est que moi, j'ai que Isaac... Enfin, j'ai aussi Isaac, mais j'ai le D6 aussi avec. Non mais prends tout ce que tu veux, moi je m'en fous, je veux dire. Non, non, mais non, mais voilà, on va y aller en même temps, quoi. Oui, on va y aller en même temps, mais c'est pas le souci. Par contre, je ne connais pas les touches, alors. Bon, Moi, je allez, les ai c'est parti. oubliés. Allez, 3, 2, 1. go! Oh, allez, voilà. Allez, select. Et donc là, bah, le but, c'est d'arriver à Mom le plus rapidement possible. Hein. Alors. C'est pas grave si on meurt, en fait, je te le dis. Hein. Si on meurt, on recommence depuis... Enfin, on recommence. Même si l'autre av continue à avancer, tu vois ce que je veux dire? Ça commence, je suis déjà en train de me faire toucher. C'est trop longtemps que je pas joue au jeu. Ok, alors, on tire des petits trucs comme ça, on se déplace avec ZQSD. Comment tu fais ces chiffres? Ah ouais, j'ai plus de bombes. Ok, Shift ou E, Space pour les items magiques. Première salle, j'ai déjà perdu un cœur, quoi. Ça a l'air d'être excellent de ton côté. Qu'est-ce Ah qui se mais... passe? Alors faut savoir que je suis terriblement... Est-ce qu'on peut tirer... Ah oui, on peut tirer avec... Ah merde. On peut On peut tirer tirer avec... Ah avec merde, ok. les... Avec les... J'ai vu qu'on pouvait casser le caca. Alors Oui, j'ai tu peux... regardé quelques vidéos il y a de gens comme ça de temps en temps quand je m'ennuie. Voilà. Mais il faut savoir que j'ai aucun skill à ce jeu. Pareil, j'ai Je dis aucun ah skill. pour qui je joue là? Mais c'est pas drôle, Martin. T'es pas obligé de faire J'ai ça. encore rien dit, Ouais, mais je sais que tu vas le faire. Hop, hop. Allez, vas-y, tu vas le faire. Mais hein. pourquoi ça droppe une bombe le milieu Quand d'un... tu bats tous les ennemis d'une salle, tu drops. Ah, une Ah, pilule. Magneto. Items nature, je suppose que ça permet d'attirer les items. On va savoir que j'ai aucune idée de ce que font les objets, mais vraiment aucune idée. Pareil, je connais vraiment pas tous, hein. J'en connais quelques-uns, ça c'est cool, mais Un zilo. alors Alors ici, je sais qu'il y a des salles aussi secrète, spécifiques. il y a des salles Des salles secrètes. secrètes, il y a des salles, comment ça s'appelle? Tu sais, de sacrifice, où je crois que tu peux avoir des items en sacrifiant ta vie.
Ouais, mais ça, il me semble que c'est que sur l'extension. Ah, c'est possible. Ouais, à savoir que donc, Paka joue sans l'extension. Hein? À savoir que toi, tu joues sans l'extension. Je joue effectivement au jeu de base que j'ai depuis un moment, en fait. Mais ok, je joue jamais parce que... Hop, hop, hop. Ah! Salope! Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a une mouche qui tire des trucs, là. Ah oui, il y en a quelques-unes. C'est un morceau de viande qui en tire. Oh tiens, je viens de récupérer la scie de Super Meat Boy. Ce qui fait que ça augmente toutes mes stats d'un point, c'est cool. Et en plus maintenant j'ai une gueule à faire peur, c'est magnifique. Allez, et premier boss donc, ça va être Larry Junior, le Larry qui attaque, ça c'est cool. Ou pas d'ailleurs en fait, j'aime pas cette forme. Putain mais il est pas précis ce point. Comme ta bite. Faut peut-être que je joue... D'accord, merci. Mais en fait, c'est pas pratique de tirer avec les flèches. Bah si, c'est franchement, je trouve ça beaucoup plus intuitif que autre chose. Hein. Je sais pas. Whop, hop, Pride. C'est quoi ce truc? Mais... Ah, c'est un mini-boss super sympa. Surtout, ne te mets pas en diagonale. Mets-toi face à lui, sur au-dessus de lui ou quoi. J'ai vu ça. Merci, Mante. Et fais attention, il balance des bombes de temps en temps. Oh putain! Loulou. Allez, c'est reparti, on continue. T'étais à quel étage? Bah, au premier, toi, t'es mignon. Bah, je viens de passer au deuxième. Ah, comment je l'ai esquivé? Esquivé. Alors, je rappelle, les amis, le but c'est d'arriver à Mom, hein. Pas à Mom's Heart, pas à Isaac, pas à Blue Baby. C'est ça le but du jeu, j'avais pas compris. Non, là pour toi, oui. Le problème c'est que moi en fait, je peux aller plus loin. Le problème c'est que bah en fait, vu que tu peux pas y aller, ce serait un petit peu désavantageux pour moi. Oh putain, non. Aïe, j'étais obligé de me faire sauter. Aïe, mon cœur. Alors là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais t'es trop mauvais et tout. Oui, je suis trop mauvais, je l'assume parfaitement. Vous inquiétez pas. Max Head. Ah, t'as trouvé la tête de chien, toi. Ouais. Oh putain, j'ai l'impression que les tirs sont bien plus gros, en fait. C'est possible, hein. Si t'as des bonus de dommages, tes larmes tirent, enfin, sont beaucoup plus grosses. Ah ouais, faut croire, parce que je vois les larmes, enfin, la tête des larmes bien plus grosses. Comme... Non, tiens, j'aime bien, j'arrive dans une salle, t'as une araignée qui meurt. Bon, est-ce que je vais vraiment me plaindre? Pourquoi moi les ennemis ne meurent pas quand j'arrive dans les salles? En fait, elle était trop proche du feu qui est au milieu de la salle. Ah. Oh putain, pas ces ennemis. Aïe, oh putain, quel con, je me suis fait avoir comme même bleu. Y a des bombes là, je peux pas les avoir. Bah oui, ça arrive. Mais ils sont cachés, c'est dégueulasse. Ils sont derrière un caillou? C'est la salle du boss en fait, donc je vais pas rentrer tout de suite parce que j'ai rien. Est-ce que t'as eu l'objet de la salle d'item? Non mais j'ai même pas fouillé la moitié du... Regarde, eux je crois qu'ils m'évitent en fait. Je vais les tuer parce que... Hop. Oui, tu vas les tuer parce que sinon tu restes enfermé dans la salle. Y a de ça et parce que déjà je les trouve très moches et j'aime pas les trucs moches. Alors je les tue. Oh putain la salope! Attention, ce live est sponsorisé par une grossièreté. Ah, tête. C'est quoi ce truc de merde là, il me ressent de mi-coeur, attends. Oh, c'est chiant. Ouah, putain, l'araignée elle a glitché. Mon dieu, j'ai une araignée qui vient de glitcher, mais d'une manière... Oh là, non. Aïe, j'ai eu bobo. Putain, il me reste plus que 3 coeurs et demi, quoi. Il me reste un demi-coeur, mec, alors... J'ai failli faire une connerie. Hop. Ok. Oh putain. Oh, trop de skill. Je tombe sur une salle avec des araignées. Ça va, ça passe. Je crois que les araignées c'est un ajout de la... Wop. Non. Attends, tu veux dire que tu te bats que contre des mouches depuis tout à l'heure? Non, là je me suis battu contre Lust et il m'a tué son cul. Ah oui, Lust. Oh là là, quelle horreur celui-là. Ouais, quelle horreur tous là. Non, y'a pire franchement. Non mais je me bats contre des trucs bizarres aussi, tu sais, genre des corps en décomposition, tout ça. Enfin, tu sais, genre des corps sans tête, et puis après y'a des têtes sans corps aussi, mais y'a plein de mouches quand même. Non, c'est chiant les mouches. Mais c'est pas dur à tuer, je les ai. J'ai récupéré un item, je sais pas ce que ça fait à part une mignonne petite aura autour de ma tronche. J'aime. Je m'abonne à la chaîne du type qui a fait ce jeu. Alors je sais pas ce que ça va faire, je crois que ça fait que je trouve plus de cœurs bleus.
Oui ou pas? Yeah! Hop là. Alors je vous en prie les viewers, ne me jugez pas sur mon style. Faut savoir vraiment que j'ai joué 10 minutes et j'ai rage quitté parce que j'arrivais à rien faire. Et là, je vais essayer de faire un peu mieux quand même. Ouais, quand même. Alors attends, je vais tenter une salle secrète ici. Pas de bol. Pilule bleue, pilule. Comment on fait pour... Pour? Je crois que ça m'a rajouté des cœurs, mais ils sont bizarres les cœurs, ils sont genre en métal. Enfin, ils Oui, sont c'est des cœurs bleus. C'est-à-dire que si tu te fais toucher et que tu les perds, bah tu les perds définitivement. bleus. C'est Je pas vais des vrais faire... réceptacles de cœur. Aïe. Ah ah bon, go. Je tombe sur un boss relativement cool, hein, The Husk. Duck of Life, pardon. Duck of Life, donc c'est juste un gros truc qui invoque des mouches mais qui se fait des pop mais super rapidement quoi. Juste le boss le plus facile quoi. Par contre quand il meurt, c'est l'explosion de saveur, mon dieu. Alors, Docteur Remote, j'ai aucune idée de ce que c'est, est-ce que tu le sais, Monta? Docteur Remote, je crois que c'est pour faire exploser tes bombes à, quand tu veux. Ça paraît foutrement nul. Oui. Alors, voyons, Lucky Foot ou le clou. Je pense que je vais prendre le Lucky Foot pour un cœur, ouais. Hop là. Donc Je crois Lucky qu'il est temps Foot. d'aller battre le boss, les gens. Ouais, moi je descends au troisième étage. Donc à Cavs One. Versus The Duck of Fly. Bah, il est facile celui que je viens de battre. Mon dieu. Ah mais il a des mouches dans la bouche, mais c'est dégueulasse. Il en a, il les fait sortir. Oui, j'ai vu ça, mon tas. Ah, ça a l'air J'arrive cool pas à ça, je être sais pas ce que c'est. précis avec, avec les larmes, en fait, c'est ça qui est chiant. Aïe. Aïe! Stop! Oh, Gluttony, ça c'est un mini-boss que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a trop de mouches. Trop de mouches. Oh, ça va, mais t'as qu'à être au fur et à mesure. J'essaye, mais... Voilà, donc lui je l'ai tué. Donc j'ai un truc pour doubler mes bombes il me semble. Attends mais pourquoi je suis si lent là? Ah j'ai plus que 2 de vitesse, ok c'est cool. Ça va le faire, ça va le faire. Non, non, toi tu tapes. Oup, oup, toi non plus, toi. Non, personne ne s'approche. Alors. Aïe, aïe. Mais t'as... Mais pourquoi il vient au cac ce con là? Bah Casse-toi, il rebondit sur casse-toi. il rebondit tout simplement sur les murs hein, je sais pas si t'as fait attention. Non, je peux pas faire attention. D'accord, bien rebondit tout simplement sur les murs hein, il va pas chercher plus loin ce boss. Ah. Mais il cherche trop loin déjà pour moi. Pour moi, il faut des boss qui ne bougent pas et qui ne tirent pas dessus. Bon, en gros ce que tu veux c'est des boss qui jouent comme toi. Non, moi je suis obligé de bouger. C'est justement ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème, c'est très français. Non, c'est très PACA. Tiens, je vais tenter une salle secrète ici. Boum! Ah non, le cœur! Non! What the fuck? Ah boum boum, trop de skip. Wop hop hop, t'as cru que je t'ai pas vu toi peut-être. Hop hop, salope. Putain va. T'es Ah mort? non. C'est fou, toi il reste une mouche, allez sérieusement elle me tue mais je rachète dessus, je sais pas aussi. Diner. Ok. Ah donc HP up. Allez, c'est parti. On descend. Oh là là, elle a des grosses jambes, elle est moche sa mère. Ouais, Et très. on part sur la gauche. Des mouches, du caca. Alors, ceux qui regardent ma vue vont dire que j'abuse là un peu, mais bon. Oh putain! Ah, tu fais quoi là? Je viens de me taper une machine à sous. Et devine quoi? Forcément, j'ai bah, à chaque fois que je foutis une pièce dedans, je gagne un truc. Oh, je préfère prendre la bad trip. Hop là, donc en plus j'ai une pilule qui peut me soigner quand j'en aurai besoin.
Monta content, monta content. Hop. 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 Yeah. Trop d'esquive. Voilà, ça c'est bon. Une tête en moins. Et la deuxième. La deuxième c'est bon, la deuxième en moins aussi. Est-ce que vous pouviez me toucher? Hein? Hop. Oh mon dieu, mais jouer avec toi c'est tellement déconcentrant. C'est toi qui as voulu, hein. Ah, je pense que je vais faire des vidéos sur ce jeu, c'est terrible. Ah oui. Maintenant tu comprends pourquoi j'avais fait des vidéos sur ce jeu, t'sais. Tu t'en prends tellement dans la gueule de tellement partout. Oh putain. Pardon. Qu'au final tu te dis mais faut que je montre ça quoi, c'est. C'est clair. Hop. Ah non. Il y a trop de pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a esquive de fou. Hop. Ah comment je l'ai. Oh. Hop. Non, mais c'est grave. Allez, je vais me taper le boss. Le boss qui va être bah, The Husk. Donc celui dont je parlais tout à l'heure. Le même, sauf que en plus il tire, voilà. Allez, touche-les là. Attends, hop, et voilà, moins un. Boum. Plus qu'une mouche. Allez, viens là. Mais t'es toujours sur le boss là depuis tout à l'heure? Hein? T'es toujours sur le boss? Non, non, j'ai tué le boss. Là, je suis au deuxième étage. Mais il y a des mouches partout, je sais pas si t'as remarqué. Non, moi, je... deuxième étage, moi, c'est des araignées partout. Ouais, moi, j'ai pas d'araignées. Ouais. Alors, et donc, Squeezie, tears up. Donc, je tire plus vite. Alors, si quand tu prends un item, tu comprends pas vraiment ce qu'il fait, tu me dis ce que t'avais pris comme item et j'essaierai de te répondre. Je connais aucun item. Bah, c'est marqué, hein, le nom de l'item quand tu... The War. The War, ça, c'est le nom d'un boss. Oui, effectivement. Il ressemble à Bomberman en fait dans le principe, j'ai l'impression. Alors, tu veux que je te donne un conseil pour ce boss? Oui. Mets-toi sur sa droite et sa gauche et prépare-toi à speeder. Parce qu'en fait, il va dasher et c'est le meilleur moment pour le choper. Il va dasher vers toi en fait. Il va faire tout le tour de la salle en fait. Hop, hop, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis mort quoi, putain. Comment t'es mort? Bah j'ai pris une bombe, j'étais dans un coin, j'ai cru que je pouvais partir, en fait non, donc après j'ai dû pousser la bombe et j'ai pas eu le temps de me décaler sur la gauche parce que ce con là d'Isaac il va trop lentement. Tiens, il y a un soutif devant moi, qu'est-ce que c'est comme item? Space to use. La dernière, je l'ai vu là dans la semaine. Oh hop. Non, je sais pas hop. Utiliser cet item, je vais pas le prendre, mais je viens de tomber sur l'un des meilleurs items du jeu. C'est le couteau. Il fait, bah en fait, il one shot tous les ennemis. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pas utilisé. Allez, là, je vais vous prouver que j'ai du skill, les gens. Tu vas mourir, c'est ça? Non, je suis déjà mort, donc on va éviter. Non, mais je veux dire encore. La force, c'est une carte. C'est, Strength, bah, carte. En fait, augmente énormément ton attaque pour le temps d'une salle, comme toutes les cartes. Il se fout de ma gueule, en fait. Parce qu'en fait la carte tu la drops une fois que t'as tué tout le monde, alors ça sert à rien. Bah non, mais tu peux utiliser la suivante. Ouais, on fait comment pour les utiliser? Appuiera. Oui, c'est A. Là j'ai récupéré une mouche rouge qui flotte. Autour de toi? Ouais. Ouais, c'est pas un item mirobolant, hein. Comme t'en doutes, ça fait des dégâts. Voilà. Ouais, c'est mieux que rien. Oula, c'est quoi cette mouche mutante? What? Oh, cette mouche mutante. Putain, mais faut que j'arrête de prendre des dégâts connement. Ouais, je suis d'accord. Pareil pour moi. Faut aussi. La carte, tu peux l'utiliser contre le boss? Oui, bah bien sûr. Ok, on va faire ça alors. Hop là, donc j'ai récupéré une bombe, c'est cool. Mais arrêtez de foutre des pièces là où je peux pas les récupérer là, sérieusement. Moi, ils font pareil avec des bombes et des clés. Ouais, ils arrêtent pas ces coins là. Hop là, c'est bon. Alors là, je suis dans une salle sacrément chiante. Genre, il peut me toucher. De qui? La tête là. Quelle tête? Salope. Mon dieu. Allez, Paga, tu peux le faire. Poum, poum, sans prendre trop de dégâts, s'il te plaît. Oui, tu peux le faire, tu peux mourir. Pas mal, pas mal. Hop. Alors, Gurdy. Un boss absolument atroce. Yeah. Jamais aimé ce boss.
Bon, je pense que si vous voulez du ski, regardez le côté de Manta, ça sera sûr. J'en suis pas certain. Ouais, il y a un mec pendu avec des items. Je peux acheter des cœurs. Ah oui, donc t'es dans le magasin? 5, ouais. Alors, essaye de ne plus rentrer dans ces salles si t'as pas 5 pièces au minimum. Garde tes clés pour les salles dorées. Ah, ok, ok. Bah là, j'ai 5 cœurs, donc enfin, j'ai 5 pièces, je vais m'acheter un cœur de toute façon, parce que j'ai 3 bombes, même où je m'en sers pas. T'es pas obligé d'acheter un truc, c'est pas parce que t'arrives dans cette salle que t'es obligé d'acheter. Ouais, mais vu qu'il me manque un cœur... C'est pas parce que t'es dans cette salle que t'es obligé d'acheter. Oui, mais vu qu'il me manque un cœur, et que voilà, je sais de toute façon pas aller dans beaucoup d'autres salles. Une mouche à merde. Ok, ça me chie. Et... Il y a une pièce avec une tête de mort sur la carte en haut à gauche, je sais quoi. La salle du boss. Et donc la tête avec la couronne, c'est quoi? C'est pas une tête, c'est juste une couronne, c'est ouais. La salle au trésor. Et c'est bien, c'est... Ah bah oui, je suis allé. Bah c'est là où tu récupères l'item de l'étage. Versus Gemini. Oh putain, alors là, je te conseille de taper que le gros. Dans un premier temps. Je savais pas que tu pouvais avoir accès à Gemini sans avoir terminé le jeu. Oui, en fait, j'ai oublié de te dire, cours. Bon, ça c'est bon, j'ai compris qu'il fallait courir. T'as cette salle d'orgie, quoi. Par contre, j'ai juste option auto. Voilà. Ouais, dans tes dents. Oh, bah, il court plus vite celui-là. Merde, merde, salaud. De quoi le petit, là? Comment je l'ai bloqué? Oui, vas-y, Paka, tu peux le faire. Oh, oh, oh merde, il s'est échappé. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé, reste en blague. Allez, meurs. J'ai oh, hâte de voir ton point de vue. Yeah, bitch. Il y a du lait avec des mouches. Breakfast. Du lait avec des mouches. Mon Dieu. Ah, il y avait du lait, il y avait des mouches autour. Je pense que c'est du lait avec des mouches. Hop, c'est parti. Oui, ça doit être ça, hein, Paka. Allez, niveau 2. Oh, lui offre une fleur, c'est mignon. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit zizi, le monsieur. What? Il offrait des fleurs à une fille, et il y a un copain qui arrivait derrière, et il lui a baissé son zizi. Il a baissé son... Son zizi, il a baissé son zizi? Quoi? Oh, non, 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 toi tu restes... Non, non, pas toi. Oh, putain. Moi je suis en train de me battre contre des cerveaux, hein. C'est bon le cerveau, il paraît. Ah oui, c'est bah c'est un plat local, hein. Tout le monde le sait. Bah oui. Hop, une petite pièce. Hop, j'ai tout fait péter. Bon, bon, on va dans le shop. Tu vois, moi quand je vais dans le shop, je tombe sur un mini boss. Je suis comme ça. Tout ce skip. J'ai lancé une bombe, j'ai tiré dessus avec ma larme, ça a déplacé la bombe, ça fait péter 5 corps. Yeah. C'est peut-être le truc le plus skillé que j'ai fait depuis le début du jeu. Hop. Ouais, il manque trop de vie. Un citron, bah. C'est bien. Un citron. Ah bah prends-le de toute façon, prends-le. Ça paraît de laisser une attends, le citron. Attends, une citron. Ouais, c'est un verre, c'est voilà. Et si t'appuies sur espace, en fait, tu lâches une tache au sol et en fait, tous les ennemis qui vont dans se prennent des dégâts et ça disparaît au bout de quelques secondes. Ça se recharge toutes les 3 salles, il me semble. Les 3 salles. Ouais. Putain, c'est nul, c'est trop long. Trop long, attends, il y a des items qui se chargent en 6 salles, quoi. Bah, s'ils sont encore plus nuls. Ouais, sauf que les items un peu pétés, genre qui te filent des cœurs bleus, quoi. Je pense avant tout au Book of Revelation. Stul. Bon. T'as ces ennemis, j'ai vraiment du mal, hein. À chaque fois, je me prends un max de dégâts face à eux. Il me reste plus que 3 cœurs. C'est puissant quand même le truc de citron là. Ah non, mais il fait très très mal, hein, par contre. Ah ouais, bah, je viens de faire péter 3 mecs. Ouais. Ouais. Wow, allez, ça c'est bon. The Bean has appeared in the basement. Ok, on s'en fout. C'était un succès. C'est mon premier succès déverrouillé sur Isaac. Je suis content que ce soit en ma compagnie. Ah non, celle-là, il est avec moi. Putain, ça a pris une mouche. Ah non!
Non, pas une mouche. Ah bah si, en fait, celle-là, oui. Temperance, c'est bien ça. Tempérance fait apparaître une machine à sang à côté de toi. Alors, les machines à sang peuvent te permettre d'avoir un item complètement pété qu'est le Bloodbag qui augmente ta vitesse et ta vie. Le truc, c'est qu'il faut donner des sangs, des cœurs en fait, des demi-cœurs. Et c'est aléatoire. Donc autant tu peux l'avoir pour un demi-cœur, autant tu peux l'avoir pour 20. Ouais, Voire bon, plus. écoute, je vais pas le faire, je vais en donner un cœur là. Bon, de toute façon, allez. Hop, on va passer en haut. Une machine à sang, Peter, elle est en train de me gaver dessous, je suis content. Une machine à sous, pardon, qui me gave dessous. Oh pute! Ok. Voilà, c'est bon. Donc maintenant j'ai une pilule full health. C'est plutôt cool. Viens! Je m'approche pas trop quand même, hein, c'est moche. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de parler sur ton live. Oui, je viens de voir ça. Bonjour Charlie. J'espère que tu es prêt à avoir beaucoup de skills. Hop. Attends, Hop. fort que je file le lien de mon live. Alors, salut Charlie, vu que t'étais pas là au début du live, on t'explique le principe. Paka et moi sommes tous les deux sur Binding of Isaac, on a lancé le jeu en même temps, puis là, en fait, c'est le premier qui arrive à battre Mob. En sachant que je suis au Pour boss de moi, c'est l'avant. plutôt essayer de survivre le plus longtemps possible. Hein. Ouais, c'est Ah! vrai. Mais ce qui serait sympa, c'est que pendant les vacances, tu vois, on fasse souvent des lives comme ça, tu sais, juste histoire que tu puisses t'améliorer. Ouais, ça m'améliorait. Bah regarde, moi au départ j'étais Sûr. pire que toi. Connais tous le skill de Paka. Eh ouais, exactement! Ah ouais, c'est pas pour rien qu'on Effectivement. a inventé le terme Paka Skill. Effectivement, c'est pas pour rien. C'était surtout pour se foutre de ma gueule, je crois, mais. Hein. Oh non non, c'est pas pour ça qu'on continue à utiliser surtout. Alors attends, pareil si j'ai pas de clé pour ouvrir. C'est pas un compliment, ouais blablabla. Pas gentil, vous êtes méchant. Pour la peine, je. Est-ce que je suis allé ici? Oui, je crois. Non! Non! Aïe. Ah j'aime pas ces trucs, ça a trop de vie! Ah! Putain! Il y a Charlie qui demande le lien de ta chaîne, je crois, Twitch. Bah en Je peux fait te c'est le simple, tu vois le lien en haut de ta chaîne là où il y a marqué Pacalaz, bah tu remplaces le mot Pacalaz, Ah. enfin le mot, le pseudo Pacalaz par Mentalis. Dans un nouvel onglet Voilà. forcément, hein. Après Comme je tu... suis quelqu'un de gentil, je vais te le donner parce qu'il est Merci. dans le Bah chat. c'est pas que je suis un peu contre un boss là mais... Voilà c'est bon. Donc si tu veux je peux lui filer. Non, j'aimerais bien en fait me connecter aussi à mon truc Twitch. Ah ok d'accord. Voilà, donc moi je descends au dernier étage. Hein. Attends, je vais t'attendre peut-être comme... Sinon c'est un peu salaud. Hop, je t'attends. Ah, c'est mon tas, oui. Bah, pour une fois qu'il parle normalement, hein, tu me diras. Non, mais c'est bon, je t'ai donné le lien, boum. Hop là. Oh, quelle Pour une fois que gentillesse. je parle normalement, et je t'emmerde. Il se fait. Ah! Ah, j'en conclus que je peux reprendre. Putain, heureusement que j'ai plein de vie, quoi. Pareil, heureusement que j'ai 3 seekers. La pilule bleue, elle sert à quoi? Forcément, il n'y a pas de nom. Ouais, c'est aléatoire les pilules, hein. Donc en gros, là j'en ai une bleue, une jaune, je peux en utiliser une et puis prier pour que ça fasse un truc bien ou est-ce qu'il faut que je la garde et prier que ça fasse un truc bien au bon moment? Prie pour que ça fasse un truc bien maintenant. Bad trip. Eh hey, merde! Alors, bad trip, justement maintenant, donc ça veut dire que toutes les pilules, c'était quelle couleur là? C'était orange. Donc toutes les pilules orange sur ce try, enfin jusqu'à ta mort, auront le même effet. Et à savoir que bad trip, si t'as moins d'un cœur ou moins, ça te permet de. Ça se transforme en full elf. En gros, ça restaure toute ta vie. C'est bien en fait. Mais c'est complètement pété, hein, c'est vraiment génial le truc. Et Ah, du et coup en j'ai une fait. deuxième bleue en fait. Alors si j'utilise la bleue et après est-ce que ça j'aurai encore l'effet de la jaune ou pas? Non, si tu utilises. Non, mais c'est vraiment les coups. Toutes les bleues auront le même effet et toutes les jaunes auront leur effet à elles, tu vois ce que je veux dire? Oui ça j'ai compris mais je veux dire. Ah oui c'est à usage unique. Non, pas usage unique, mais c'est chaque pilule a son effet. C'est-à-dire par exemple si là je suis dans une salle que je tombe à un demi enfin à moins d'un cœur là il y a l'effet de la PU qui s'active ou il faut que j'active la PU pour que l'effet Il faut s'active? que tu actives, toi-même. D'accord, ok. Télépsis, eh merde, enfin, on s'en fout. Donc les bleus me téléportent dans une salle à la con.
Par contre, là, je vais devoir battre le boss. J'ai deux trucs de vie. Ah, de vie, ah, c'est chaud, hein, début de jeu comme Non, ça. mais je vais crever. Il y a des chances. Mais non, mais je vais me faire violer. Mais... Même contre l'autre, là, qui tirait ses mouches tout à l'heure, j'ai pris tellement de coups. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait dans les salles. Alors bon. Quoique si, j'irai pas des trucs à casser que je pourrais récupérer. Bah, si t'as du skill, tu peux le faire. C'est quel boss donc? Je sais pas, je suis pas encore allé. Ouais. Regarde dans les salles si j'aurais rien oublié, tu vois, genre un item à la con mais qui. Oh! Pardon. C'est tombé sur quoi? Un bon item. Pourquoi j'ai pas de bon item? Je suis Ouais, con. je te rassure, depuis tout à l'heure, je suis tombé sur de très bons items. Mais en même temps, faut... Oh putain, merde. J'ai eu trop de chance. Faut dire que j'ai un item un peu cheaté qui me permet... Tu sais que genre les items qu'on trouve dans la salle de... au trésor et tout. Bah en fait j'ai un item qui me permet de reroll ce qu'on y trouve en fait. Enfin tous les items. Ce qui fait que par exemple si y a un item qui me plaît pas, bah je reroll et il y a des chances qu'il me plaise. Et s'il me plaît pas, bah j'ai qu'à recharger cet item, puis... Allez, Larry Chignol, c'est parti. Hop 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 Oh Larry Junior, c'est pas un boss très compliqué. Non, ça, j'ai déjà retiré la moitié de CI, j'ai perdu la moitié de la mienne. Normal. Il y a Charlie qui demande c'est quoi le demi-cœur blanc. Apparemment, tu dois voir. Ah oui, alors, ah bien, c'est bien, il regarde sur les deux vues. Alors le demi-cœur blanc, en fait, il Charlie, s'agit c'est d'un... quelqu'un de bien. Ah! Alors, Ça merde là. non, c'est ça les cœurs d'argent, pardon. Et les cœurs bleus, pardon, c'est les cœurs d'esprit, et les cœurs blancs, donc comme ça, c'est les cœurs d'argent. Et en fait, le cœur d'argent, si je termine le niveau sans l'avoir perdu, enfin, juste l'étage sans l'avoir perdu, au prochain étage, ça me rajoutera un cœur. Enfin, un réceptacle de cœur. Mais voilà, faut pas le perdre, quoi. Mais bon, vu la quantité de cœurs d'esprit que j'ai... Allez, un demi-cœur, ça peut le faire, Paka, ça peut le faire! Yeah! Yeah! T'es pas mort? Non! Trop puissant! Lench! Ok, c'est cool. Bah HP up quoi. Ah non, mais tant mieux, attends, allez. Oh putain! C'est pas passé loin, hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ok, il a sauté dans le truc, il est tombé. Ah, boum! Il s'est cassé à la colonne, il est devenu tétraplégique. T'es con. Hop hop Oh hop, mon c'est quoi Dieu, ce petit air Paka. dégueulasse? Mais vous êtes vraiment dégueulasse? Paka, t'as un problème. Ah non mais c'est vrai quoi, le gamin tu vois il saute dans une trappe, il tombe, il meurt, enfin je sais pas, il a les bras qui sont retournés, ils sont à la place des jambes, c'est vrai, c'est pas normal. Non, t'as raison, Paka, je suis pas sûr que ce soit normal. Hop 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 hop. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ou t'es très logique. Exactement. Là en l'occurrence, bon bah elle a pas eu beaucoup de chance quoi. En l'occurrence, il n'est pas devenu plus fort. Bon, alors je récupère cet item. Donc, l'item martyr, je vous rappelle. Enfin, l'habit, pardon. Qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que je me fais toucher, ça recharge l'objet que j'ai dans la barre d'espace. C'est trop bien ça. Ah ouais, non, mais Moi, c'est je... complètement pété. Comment on fait pour passer ça? Passer quoi? J'ai des espèces de fosses qui m'empêchent d'aller au milieu en fait, mais il n'y a pas moyen de... Sur les côtés, non, ça marche pas. Charlie, si tu vois de quoi je parle et que Attends, tu je vais peux regarder faire sur comme ton live ça. 2 secondes. Voilà, alors sur ton live 2 secondes, je regarde. Play. Tu vois, il y a des trous. Ah ouais, moi j'ai une version légale, on me l'a Ah, mais offert. tu peux pas récupérer cet Ah, on item. peut pas. En Non. fait, c'est des trucs de pute, c'est genre on dit, ah, regarde, t'as une clé, tu peux pas y récupérer. Faut que tu voles. Hein? Faut voler. Ah d'accord. Ah c'est non mais c'est possible ou Oui, faut non, passer oui, par si, là? si, c'est possible, t'as des items pour voler. Faut un item pour passer. Ah ok. Une échelle te permet de passer. Ah Ah ok. oui, ou l'échelle, pardon, c'est vrai, ou l'échelle. Enfin, j'ai toujours tendance à l'oublier, celle-là. Même si c'est celle sur laquelle on tombe le plus. Oh putain, non! Pas ses ennemis! Ah ouais, l'aimant, je l'avais tout à l'heure. Ah, mais en fait, ouais, l'aimant, il aurait pu être pratique. C'est le shop en bas. Ouais, quoique, vas-y, j'ai de l'argent. Oh mon Dieu, Paka, je suis dans la merde, je suis face à des monstres qui se téléportent. Le monstre qui C'est bon, téléporte. j'ai eu. Aïe, oh putain, je viens de me suicider quoi. Enfin, de me suicider, de perdre un cœur bêtement. Ouais, c'est des monstres en fait qui te tirent dessus en se téléportant. Oh, salope. À peu près ça. Ça, En c'est plus, très c'est cher. des nanas, tu vois, comme par hasard, tu vois, c'est... Ah bah oui, bah tiens, ça m'aurait étonné. Les cartes. Enfin, il y a une sorte de carte, c'est la carte de l'étage ou...
Non, 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 c'est une carte de tout, 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 tout. Tout, 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 tout. De tout, 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 tout. Donc ça vaut le coup. Ouais, par contre, ça t'indique pas ce que sont les salles, ça t'indique juste Ouais, globalement toutes les salles, comment elles sont foutues. Ça peut être utile, enfin, c'est une thème. Oh putain, non. Ça peut être très utile que pour le. Que pour quelqu'un qui connaît très bien le jeu. c'est ça. Hop. Ça l'a pris, ça. Ah, oh putain, on peut péter leur truc. Okay. Bon, on va dire que, parce que sinon c'est trop facile pour moi, on va dire que toi tu dois juste arriver à Mom et moi je vais arriver à Mom's Heart, sinon c'est trop facile. Pourquoi il s'ouvre plus ce qu'on Qu'est-ce qui s'ouvre plus? a? Ceux qui me tiraient dessus. Alors là je peux Ah! pas t'aider. Ah! Oh putain! Putain, cette esquive de merde! T'es mauvais, Paka, t'es mauvais! Toi, t'as intérêt à me dropper des cœurs, sinon je te tue. Ah non. À mon avis, il sera quand même déjà mort. Hein. Allez, ouvre-toi! Putain! Voilà! Boum! Tour de skill! Allez, oula! C'est quoi ce petit truc? Je crois qu'il y a un mendiant dans mon truc. Un mendiant. Bah oui. Ouais, je voulais pas lui donner de l'argent. Si. Mais donne-lui tout ton argent. Il donne des trucs, mais vraiment extrêmement bien. Donne-lui tout ton argent, il donne vraiment des trucs bons. Il m'a donné des piles. Une pile? Oh l'enfoiré quoi! C'est quoi? Tu sais l'objet que t'as dans la barre d'espace? Enfin là Bah j'ai il dans la tête mais What? la Non mais tête. l'objet qui est normalement dans la barre d'espace. T'as quoi en objet de barre d'espace là? J'ai le truc de. Comment ça s'appelle? Le truc de citron machin. Voilà, et bien maintenant, vas-y, avec la pile en fait, ça dépend, t'as eu la pile ou le truc où le cœur charge? J'ai eu 9 volts machin. Ouais, donc 9 volts, il me semble que c'est ça. En fait, ça, tout simplement, tu mettras moins de temps à le charger en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu l'auras utilisé, tu auras déjà, par exemple, rempli à moitié l'énergie. Donc en gros, tu auras moins de salle à faire pour le Ok. recharger entièrement. Ok. Charlie me dit que c'est génial. Bah, je veux bien. Mais stop! Non, tu meurs, tu craches pas, c'est pas poli. Boum! Trop fort. Trop fort ce paquet. Vraiment, il m'impressionne. Oula. Oh non, mais stop avec ça, j'en ai marre. Avec quoi? Ok, alors faut pas que je le tape dans la tête, m'a dit. On vient de me dire ça. Faut pas en fait faut que tu attends qu'elle sorte pas avant de tirer parce que si tu tires avant bah elle sort pas sa tête. Il faut que ce soit relativement proche sinon bah elle refuse de sortir sa tête. Mob chiant. Ouais, c'est pire que ça. Ah merde. T'as quel étage donc là? Au deuxième, je crois. Ok. Ou Ouais troisième? donc. Ah non, je crois que je suis au troisième. Yeah! Un cœur d'argent, un forfri, par contre j'ai plus de vie. Non, 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 tu m'approches pas, toi avec tes sales dents là. C'est quoi ce mob? Bouge-toi. Pourquoi il est dans cette salle, mon dieu? C'est quoi cette cave à la con là? On cache pas ça dans sa cave, je suis désolé. Attends, c'est quand même la mère d'Isaac, hein, la nana qui essaie de tuer son fils, quoi. Ouais mais bon, des nanas qui essaient de tuer leur fils, y en a plein. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu Apparemment, parles. tu es dans la salle des vagins, Ah, c'est pas une salle qui lui plaît, hein. C'est pas une salle à vagin, c'est un étage à vagin. Faut de la vie, non. Et à la fin, je vais même affronter Non, un non. fœtus. Ça y est, un type qui m'a rajouté sur Steam. Je suis désolé les gens, mais je vous rajoute. Enfin, j'accepte pas tout le monde en ami. Faut être un guest. Il a Hein. vu Non, personne à c'est son pas ça, ami. c'est juste que quand je joue, j'aime bien être peinard. Et pas avoir quelqu'un qui me dit, tiens, tu veux jouer avec moi? Ouais, non, en fait, non. Ou alors, c'est quand ta prochaine vidéo? Non, mais ça non plus les gens, en fait. Non, c'est encore mieux quand tu tombes sur des gens qui te demandent, dis, est-ce qu'un jour tu feras des let's play? Dis, c'est quand que tu commences à faire de vraies vidéos? What?
Ouais, c'est ça, j'ai ouais, quand est-ce que tu feras des let's play? Bah, il me semblait que j'en faisais, mais. Je suis peut-être trompé, hein. Allez, allez! Je suis déjà dans ses amis. Ah. De qui est déjà dans mes amis? Bah, Charlie, apparemment, il est déjà dans tes amis. Bah oui, non, mais Charlie, il est dans mes amis, mais il y a un type qui vient de me rajouter là. Ah, d'accord, ok. Et je pense que ça que c'est Mélusine 1000 qui est en train de regarder actuellement mon live. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai en même temps, je regarde qui regarde mon live. Je suis comme ça. Steam, c'est... c'est bien, ça fait tous les systèmes du shop. Steam. Voilà, c'est tous les systèmes du shop, donc des magasins, sont à moins 50%. C'est très bon si t'es en début de partie, ce qui est ton cas. Oh putain. Enfin, le début de partie... Putain, mais pourquoi j'ai jamais de vie quand il faut que j'aille affronter les boss, sérieusement? Bah, si, parce que sinon, ce serait trop facile, attends. Mais c'est déjà trop dur, hein. Bah, si t'es pas encore mort, c'est que, au final, voilà, t'avais pas besoin. De sa vie, de cette vie. Hein? Chaud, Manta. Non, Manta, il galère pas. Manta, il galère pas. Vous devriez... Enfin, ouais, bah, on a essayé pour le chat commun, le problème, c'est que c'est pas possible, Charlie. Mais t'inquiète pas, je lis ce qui se passe dans le chat de Paca. Moi non, parce qu'il se passe rien dans son chat. Mais... Oui, il y a juste Samchi qui se foutait de ma gueule tout à l'heure, mais je crois qu'il est parti. Il en a eu marre. Ce qui m'arrange. Juste Pip. Oh. Pip, attends, il faut que je regarde la configuration de ta salle pour te dire si... Ah non. Oui, la configuration de ta salle. Ouais, reste là, il peut rien te faire contre toi. Non, il faut que tu restes planqué derrière les cailloux en fait, il les traverse pas. Ouais, juste en train de balancer des trucs. Hein. Ouais, même, il balance des trucs, mais il peut pas te toucher. Hop là. Donc, on reprend. Ah, mais j'ai pas vu, mais en fait, ici, j'ai apporté au maximum, la vitesse de tir au maximum, et les dégâts quasiment au maximum. Y a que la vitesse qui est mauvaise chez moi. Ce qui n'est pas normal, en fait, mais c'est pas grave. Tu te fous de ma gueule, il traverse hein, les trucs, il est allé de l'autre côté, ce qu'on a. C'est pas possible. Bah, regarde, oui. Bah, je vais pas m'amuser à regarder tout le temps chez toi, et pas qu'à moi aussi, je dois avancer de mon côté. Non. Wopopo. Hop là. Tu crèves toi. Putain, je fais tellement pas de dégâts. Moi je fais tellement trop de dégâts mais ces mobs sont tellement chiants. Je suis en train d'affronter des mobs en fait qui se planquent. Mais bah, c'est bon, j'ai réussi à le tuer alors qu'il était. T'as de l'avance, Manta, c'est pas grave. Non mais je sais que j'ai de l'avance, le problème c'est que depuis t'es en fait pas qu'à meurt. Mais c'est pour ça que j'ai dit moi j'arrive à bombe alors que lui doit juste enfin à Mom's Heart alors que lui doit juste arriver à Mom's. Ça équilibre un peu. Ouais, il faut voir que c'est la première partie que je fais aussi longue. Hein. Comme ta bite. Oui, j'ai dit comme la tienne et pas comme la mienne parce que j'en ai marre de me vanter. Surtout que voilà. On va pas se mentir, hein, Manta. C'est pas bien de regarder le live de Paka. Eh, ça me chie, je fais ce que je veux. Si c'est bien de regarder le live de Paka. Paka, c'est le bien. Exactement. Moi, ça m'éclate. Enfin, j'ai vraiment hâte de regarder la rediffusion de Paka, quoi. Parce que c'est Peter, ça crie d'une telle manière. Eh, viens là. Hop là, donc ici c'est mort. Ça dit, tu prends des dégâts toi aussi de temps en temps. Tu les vas. C'est bon, moi j'avance bien. Putain, mais il est oh putain, non. Ah non, pas ses ennemis. Mais non, je fais jamais, Charlie. Je suis beaucoup trop doué pour ça. Ouh. Ah mais ces ennemis, mais à chaque fois c'est... Je tremble là, à chaque fois que je les affronte. Mon dieu. J'ai même moite. Ah, premier boss de Womb. Allez, c'est parti. Et donc c'est... Skolex. What the... Oh putain, pas lui. Alors lui, vous voyez, ça va bien chiant. On ne peut le toucher que par la queue. Mais sinon après, c'est... Ça m'a pas bien compliqué. Mais oh putain ce con. Pip. Ton œil. Non mais attends, l'œil va se balader. Et quand t'auras enlevé un certain nombre de vies, t'auras plusieurs yeux. En fait, ils vont se balader. Ouais, on dirait celui de Zelda de Link to the Past. Ben, je crois que ça vient de là. Un monstre piqué de Zelda. Et Samchi qui dit exactement la même chose. Peut-être Charlie et Samchi, vous êtes en symbiose, les deux. Vous devriez bien vous entendre. En même temps, la référence saute aux yeux. Hein. Mais Binding of Isaac a pas l'air, mais c'est un jeu qui est bourré de références. Hein. Ah putain de... Ouais, même pas sur le même chat en plus. Hop là.
Oh mon dieu! D'accord, j'ai l'impression qu'il est un peu plus rapide maintenant. Hop. Oh mon dieu! Non. Chier. Moi ça fait pas chier mais ça fait mal. Oh la boîte! Putain. Qu'est-ce que j'ai? Ça Alors c'est ça, c'est cool ça. dégueulasse. Def. Ah oh, oh, mais ça aussi c'est bon comme item. Oh c'est quoi ça? Range up. Bon on va prendre. Hop, ça c'est fait. Et on va garder le full elf, on n'est pas fou. J'étais en train d'upload une vidéo, je préfère pas regarder les deux lives. Ah oui, non mais je te comprends Samchi. Alors, bon, on va partir sur la gauche, là, je le sens bien. Oh putain, des nymphocytes, quoi. Cassez-vous! Casse-toi! Fils de ta mère! Oh putain! Oh! T'approches pas, engeance de démon! Voilà, c'est bon. On gère, on gère, on gère, on gère. Cupid's arrow. En fait, allez, alors, stop, les prends pas. Ah merde, trop tard, tu as pris forcément si tu connais le nom. En fait, maintenant tes tirs passent à travers les mobs. Donc c'est bien parce que comme ça maintenant tu peux toucher par exemple deux mobs alignés. Le problème c'est que maintenant ils ont plus le très léger. Enfin tu sais quand tu tires, Recule, ouais. ça tu recules légèrement. Bah là, plus du tout. Donc c'est extrêmement bien hein, pour le. Oui, pour pouvoir tirer plusieurs mobs en même temps, mais par contre après c'est super chaud quoi. Je suis en train d'affronter The Husk. Je crois que c'est The Husk, hein. Mais x2, c'est cool. Il n'y a pas de décalage. Si tu le dis, ça me chie. Excuse-moi, je lis pas tous les commentaires là. Hop là. Voilà, je suis un peu concentré sur le gameplay pour une fois les amis. Hein. The Fool. Donc The Fool, je vous rappelle que c'est une carte qui téléporte donc bah, au début de l'étage. Une utilité très réduite, hein, faut le reconnaître. Hop là. Allez les amis, si je suis de bonne humeur, on ira même jusqu'à Satan. Satan. Oui Satan, ah. Jusqu'à Zlatan. On va lui zlataner la gueule. Bouge. Oh putain. Non. Oh les amis, je viens juste de tomber sur mon Non. item préféré. Eh Paka, je viens de doubler ma vitesse de tir. Paka, j'avais déjà la vitesse au maximum. J'ai la vitesse au maximum x2. Voilà. Ah là là, ce boss. Allez, Monstro, vas-y. Montre-moi ta puissance, Monstro. Hop là. Alors, je sais pas si vous avez bien la musique de mon côté. Ah ouais, d'ailleurs, comment on va faire pour la musique? On mettra la musique de ton live ou du mien? Oh, c'est une bonne idée. Bon, on verra celui qui a la musique le mieux dosé par rapport aux voix. Toute façon, dans les deux cas, on nous entendra, mais... Oui, non, mais voilà, ça c'est sûr, mais bon. Bah, au pire, ben non, on va faire... Si moi je mets celle du mien, ouais, ou on verra en fonction du... Ouais, bah en fait, toi sur ta chaîne, tu mettras ton son et moi je mettrai le son sur la mienne. Oui, au pire. Comme ça, tout le monde y est content. Moi j'ai le son Oh, de après on Paka, le tien verra. est plus fort Manta. Ouais donc si le mien est plus. Oh, mais c'est normal que mon son soit plus fort. Je préfère. Enfin, c'est parce que je suis à moitié sourd de base. Alors si je suis de bonne humeur les amis, il y a de chances qu'on se tape Satan donc sur mon live. Le temps que Non, c'est Paka bonne avance. humeur, quoi, allez. Moi je suis en train d'affronter un cœur fœtus. Cher fœtus, oui, tout à fait. Oh, pas chup, pitié. Putain, Putain, mais prenez des dégâts, là, vous parez, putain. mais da fuck, mais qu'est-ce qui se passe avec ce boss, quoi? Oh, mon dieu. Et on n'entend presque pas le jeu. Ouais, remarque, t'as raison. Moi non plus, j'entends pas très bien le jeu. Hop. Meilleur genre de volume. Je préfère le faire maintenant, remarque. Voilà. Je vais me poser ton truc, bon, histoire de lire ce que tu as écrit. Sur Paquet, tout est bien, merci. Sur mon tête, ouais, je m'en fous sur mon tête. Un poil fort, on n'entend presque pas le jeu. Ah bah, et donc, Là, normalement, on entend un peu plus, hein. Bitch, 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 get back, get back. Ah, mon dieu, je vais mourir. Putain, merde. Putain.
Voilà. Ah bon ben voilà, ça c'est fait. Hop là, et donc on va s'affronter Satan les amis. Go. Dans tous les cas, moi je considère que j'ai gagné notre petit défi, hein, Paka. Ton petit défi, à un moment le défi, c'était juste de survivre le plus longtemps possible. Et tu remportes ton défi pour le moment ou... Oh bah j'avais jamais survécu aussi longtemps. Bon, voilà. J'avais joué qu'une seule fois avant, mais quand même. Ça compte. Le pentagramme, ça c'est quoi? Parce que j'ai chopé tout à l'heure et... Augmente beaucoup les dommages. Ok, ça explique pourquoi je suis en train de tuer... On va dire facilement, ça c'est pas vrai. Mais putain, mais qu'est-ce qui bloque là? Non. Non. C'est quoi cette mouche qui prend pas de dégâts là? Une mouche blanche? Oh, une mouche dégueulasse. Tears down. Oh non. Ah c'est pas cool, ça veut dire cadence de tir réduite. Ouais, ça j'avais vu, mais ça je comprends, tu vois. C'est genre les mouches qui... C'était les mouches qui... Putain de merde. Voilà, c'est bon. Salope, putain, j'y crois pas. Quand tu bouges, la larme fait pas une grande ligne droite. Mais un arc te cercle dans la direction où tu bouges. T'as, j'ai l'impression d'être une mitraillette, quoi. C'est incroyable. Il m'en reste plus que deux cœurs. Mais on pourrait s'appuyer, en fait. Sur les tirs? Ah oui. Bah oui. Mais je viens de capter ça, moi. J'entends de spammer mes touches depuis tout à l'heure, en fait. Ah, d'accord. Mes pauvres touches bidirectionnelles. Ouf. Yeah. Ok. Hop. Mon dieu, alors ceux qui regardent de mon côté doivent être en train de se dire que c'est une véritable orgie à l'écran, je suis d'accord avec eux. Mon dieu. Mais en fait c'est trop bien le pentagramme quoi, je défonce tout le monde là maintenant. Je me sens trop puissant. Bah le pentagramme c'est une créature de Satan maintenant, attention. Satan. Non pas de Zlatan. Satan. Je sais même pas qui c'est Zlatan. Je sais que c'est un joueur, mais... Ma connaissance s'arrête là. Je crois que c'est un joueur du PSG, mais j'en sais pas plus, simplement parce qu'on... Enfin... Je regarde les guignols des infos et on se fout très souvent de sa gueule, en fait. Bah, je crois bien hein, que c'est un joueur de foot, mais alors... Moi et le football, hein, on va pas se mentir. Hop là. Putain, mais prendre des dégâts... Mais pourquoi il tire... Mais il tire pas droit, ce con. Ah mais non, c'est ça que tu disais, d'accord, l'arc de cercle, machin... Voilà, quand tu bouges, en fait, ça... Oh putain, non. Pourquoi je tombe là-dessus, mon dieu. Bon, remarquez, ça m'échauffe pour Satan. Bobby bomb. Oh, mais non, mais genre, quoi, c'est glitché, ce truc, c'est incroyable. On s'en fout du foot. Comment t'écris on s'en fout du foot? Ah, ok, d'accord, pardon. C'est F de 2T. Non mais en fait il y a écrit on s'en fout du fou. Ouais. Oh putain, je vais te faire une espèce d'esquive mais de la mort qui tue quoi. Ah les amis, si vous regardez la rediffusion, je vais me pousser pour l'exploit que je viens de réaliser. Pas de booster sur sa vidéo. Enfoiré. Attends, je viens de faire un truc de héros là. Ça, je l'ai fait, bah, je crois que j'ai fait toutes les salles. Il me reste que la salle magasin, mais vu que j'ai pas d'argent... Ouais, si t'as... Si... les mouettes, là, dans le fond, mais si t'as moins de 8 pièces, de toute façon, ça sert à rien d'aller au magasin. Moins, que 7 pièces. Moins de 7 pièces, pardon. Ah putain, mais crève. Hop, 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 hop. Toi, tu t'écartes. Toi, tu t'écartes loin. Voilà, comme ça. Hop. En fait, je suis le seul sur la live de Paka. Ah bah, y a des chances, hein, Charlie. Oh, hein. Bon, en même temps, c'est pas comme si on n'avait pas du tout prévu de le faire. C'est pas comme si on avait à peine prévenu, déjà. Ça c'est fait, il me reste deux cœurs, non, un et demi, merde. Puis il y a plein de cœurs par contre, mais je peux pas les avoir. Ok. Bon, c'est parti, je prie pour un boss que j'ai déjà rencontré. J'ai pas rencontré, Monstro.
Monstro. Très facile, tu te mets toujours au-dessus ou en dessous de lui. Des fois, il va faire des sauts pour essayer de te sauter dessus, et dans ce cas-là, tu vas changer. Donc, s'il est en haut, tu vas en haut, et voilà. Enfin, c'est pas un monstre très compliqué, Monstro. Effectivement, en fait, il tire juste un petit peu dans tous les sens. Ou... Oui, non, mais c'est franchement, c'est rien de bien grave. Hop, 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 hop. Et surtout, tu te débrouilles pour ne pas te retrouver sur le côté, parce qu'en fait, quand il te tire dessus, ouais, et que tu es sur le côté, il tire carrément plus large, et là, c'est juste impossible à esquiver, quoi. Alors, j'essaie de récupérer des bonus hein, dans la machine à souk sur laquelle je suis tombé. Ah, mais tout ce style. Oh putain, j'ai deux mouches. Oh, trop bon. Yeah, oh, mais... Ah mais je l'aime cette machine à sous. Hein. This works. Ah ça c'est le bizarre. C'est ça le bizarre. C'est-à-dire bah, c'est un truc, il y a une espèce de démon chèvre avec avec deux objets que je dois pouvoir avoir. Ah attends, bouge pas. Avec les deux cœurs, je crois, la salle ne prends rien, ne prends rien. Je regarde ce qu'il y a et je vais te dire s'il y a un truc intéressant. Justement, c'est ce que j'attendais. En fait, tu payes tes cœurs. Alors, oh putain, t'as le brimstone et le contrat. Alors, je t'explique. Le brimstone, en fait, ça tire des lignes droites. Voilà, là, complètement pété, c'est génial. Et de l'autre, et juste à côté, en fait, t'as le contrat qui augmente énormément tes dommages. Enfin, énormément, qui augmente bien tes dommages. Dans tous les cas, tu peux pas prendre les deux, hein, sinon tu meurs. Et dans tous les cas, en prendre un déjà, ça t'handicap de deux cœurs. Donc après, faut voir. En sachant que le brimstone, c'est extrêmement puissant, c'est super mal. Mais déjà, c'est basé par rapport à ton attaque. Donc plus data d'attaque, mieux c'est. Hein. Et moins data d'attaque, plus c'est pourri. Et en plus, c'est long à charger. Mm-hmm. Et après, le contrat, bah, ça augmente tes dégâts. Ça serait bien. Personnellement, je te conseillerais de rien prendre. Parce que t'as pas assez de cœurs. De toute façon, je vais mourir dans... Ok, prends le contrat. Voilà. J'ai juste des trucs de fou. Wow, allez. Comment je suis trop noir maintenant. Attends, hop, I'm evil. Hop là. Oh, je... oh mais non, ils m'ont pété dessus. Ah. De quoi? C'est il y a le choix, soit ils me pétaient dessus, soit ils me jetaient leur défécation. Hop, 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 mais tu meurs. Oh non, en réalité, ils te chient dessus, en fait, littéralement. Ah, littéralement. Ah oui, bah oui, littéralement, là. N'empêche qu'ils arrivent à chier bizarrement quand même, parce que quand ils chient, leur merde se projette à plusieurs mètres de leur... Ils avaient bouffé des boulettes de viande ce jour-là. Allez, viens là, toi. Allez, file-moi une pilule, je t'en supplie, une full elf. Ah non, encore l'autre, là, avec ses bombes à la con. Ouais, j'ai trouvé le moyen d'avoir la skeleton key sur ce monde, quoi. Enfin, sur ce niveau. Une conversation scatophile, exactement. Hein. En même temps, c'est pas ma faute si ce jeu a des tendances bizarres. Hein, plus que bizarre. Allez, 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 allez. T'es déjà mort. Il s'est fait éclater la gueule, allez. T'as plus de vie, t'as plus de vie, mec, tu vas mourir, oui. Oh, trop de skill, trop de skill. C'était quel mob? Tu sais, le Bomberman, là. Oh, putain. Je lui ai défoncé sa petite gueule. Aïe. Veuillez excuser le cri que vous avez dû entendre, j'ai été surpris par une troll bombe. Fucking games. Putain, j'arrive pas à descendre suffisamment mes sous, j'arrive pas à faire exploser la machine à sous. Il est trop bien Dark Isaac. Moi, wesh. Moi j'ai un Isaac, j'aimerais bien que tu regardes mon live, là, parce que j'ai un Isaac magnifique, tu sais, il est rouge avec une magnifique mitre, c'est... Je le verrai sur la rediffusion quand, Ouais c'est vrai. Oh putain j'ai une armée de mouches autour de moi quoi. Mon dieu. Et j'ai tellement de cœurs sur le terrain. Ça en devient indécent. Ouais. But secret, faire planter le jeu en ayant trop de cœurs sur le terrain. Ah. Ah merde, j'étais trop près. Ah, j'ai bientôt plus de pièces. J'ai encore d'augmenter ma portée. C'est la richesse.
D'ailleurs, tu sais que c'est des scents qu'on obtient dans le jeu. Oui, j'ai vu ça avec le petit C. Bah, c'est même pas des dollars, quoi. What the fuck. Enfin, personnellement, je m'en fous. Je suis parti du principe que tout le monde s'en foutait aussi. Oh non, moi je trouvais ça fun. Au départ, je pensais que c'était des dollars que t'avais, mais non, en fait, c'est des scents, quoi. C'est pourquoi je tombe que sur des pilules range up. Je peux pas te prendre. Bah si. Non. Jamais vu autant de cœurs dans ce jeu, moi non plus en fait pour être honnête. Mais y'a absurde pas ce qui m'intéresse, à savoir une full elf. Parce que partie comme ça, je suis sûr que je vais pas réussir à battre Satan. Ah quoique, attendez, avec cette collection de... Ah bah au revoir, machine à sous. Bon bah c'est parti hein. En espérant tomber bientôt sur 15 cœurs et 15 mouches, lol. Oh là là, alors attendez. Voilà, magnifique, vous avez vu ce skill les amis. Il se fout de ma gueule avec tous ces cœurs. The Tower, ça fait quoi hein? Je sais plus. Ok, j'ai plein de monde. Ok, ça y est, je suis face à deux Gemini en fait et je suis en train de aider Pop. Il me semble que ça téléporte, mais je sais plus, absolument plus où. Là, j'ai une sorte de porte d'arène. Ah, donc, elle est ouverte ou fermée? Elle est fermée. Ok, donc, sur la carte, c'est arène rouge ou arène grise normale? Elle a l'air d'être gris. Ouais, ok, donc c'est pas intéressant. Ouais, surtout, j'ai plus qu'un demi-cœur de vie. Ok, je pense que je suis sur le bon chemin. Ok, on se casse. Ok, ça m'a l'air bon par là. Oh merde. Hop là. Bon bah j'ai toute ma vie, c'est-à-dire pas beaucoup, et je vais buter un boss, aller c'est repartir. Oh, c'est encore pire. Cette fois-ci, je vais le violer. Ah par contre là, il n'y a plus les trucs pour me cacher dans les coins. Ouais non mais toutes les salles sont aléatoires hein. Ouais, je sais pas si t'as remarqué. Oui ça j'avais vu mais c'était plus simple tout à l'heure parce que je pouvais me planquer assez facilement on va dire. Non j'ai perdu mon cœur bleu, je suis deg. Ah non. Méchant. Sa mère. Le méchant. Non c'est un enculé de sa mère. Comme Arnaud. Quoi? Comme Arnaud, Arnaud de sa mère. L'humoriste. C'est une blague en fait, enfin un jeu de mots. Voilà. Ça devait vraiment être hilarant mais je pense qu'il faut être dans le trip. Bah son nom c'est de sa mère en fait. Donc, ah oui, oh putain. Non. Sa mère. Ah, The Tower, mais si Troll Bomb quand tu utilises, c'est vrai. Ah. En fait, utilise-le quand t'es face à un boss, The Tower. Ah, c'est bien, je l'aurais utilisé à 30 secondes plus tard. Enfin plutôt, je l'aurais utilisé avant de mourir misérablement. Ah, t'es mort? Ah mince. Ouais, fais pas genre ça, c'est triste. Mais si, c'est triste. Ah, je m'en fous, un jour j'aurai du skill. Après peut-être 50 heures de jeu. Mais... Non, perso, je peux besoin de 50 heures de jeu pour m'améliorer. Ah merde, si, peut-être en fait. Allez, c'est parti. Alors, attendez, il faut que je me concentre. Oui. Oh, j'ai réussi. Oh putain. Pardon. J'ai réussi à caler une bombe mais d'une manière mais tellement magique. Ouah quoi. Le boss il est arrivé, il a perdu un tiers de sa vie quoi direct. Pas mal. Parce qu'en fait quand le boss pop, il pop avec deux mobs extrêmement chiants et explosifs en fait à côté de lui. Ce qui fait qu'en fait j'ai calé une bombe, il s'est pris l'explosion de la bombe plus l'explosion des deux mobs. Ouais. On peut dire que c'est pas trop mal. Et je vais être honnête, c'est la première fois que j'arrive à caler ça. Aïe, ah merde, quel con, j'ai sauté dedans. J'aime bien la petite chanson qui est en train d'écrire Charlie. Je me battrai sans répit, ouais. Non, c'est... Je serai le meilleur qui... Je me battrai sans répit, padam, pam. Je ferai tout pour finir mes jeux. Avec tous les challenges. Tous les succès.
Ouais, succès, challenge, on s'en fout. Je suis en train de faire un truc de héros là, les amis, mon dieu. Tiens, ok, pas avec moi, pas. Non, non, pas avec moi, pas, pitié. Et merde, et moi je regarde pas ce que je fais. Moi je regarde ce que je fais et c'est, c'est d'une rare violence. Oh mon dieu. Oh putain, la dernière forme, je vais en chier. Les amis, levez les bras au ciel et donnez-moi votre force. Oui. Il faudrait peut-être quand même que je pense à bouger parce que sinon je vais me faire buter. Oh non, mais je suis... Ah putain, Paka, réfléchis un petit peu. Merde, j'ai pas vu. Allez, allez, Manta. Tu peux y arriver. Sa mère la pute. Alors, les amis, dois-je préciser que j'ai réellement amélioré mon skill à ce jeu? J'ai eu. J'ai battu Satan, Narmol, en perdant 4 coeurs. Bon, bah voilà, donc de mon côté, les amis, cinématique de fin. Ah. Boum, 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 boum. Ok. Wire Coat Hanger. Putain, mais c'est... Oh. Putain, il prend tout dans les... Le pauvre petit Aïe. Je peux casser par les... Oh yes, ça marche. De l'or. Ouais, j'enchaîne sur un deuxième challenge, quand même. Enfin, sur une deuxième run. Merde, c'est fait bouffer par un coffre. T'es con, ça me fie. Et merci, merci Charlie, pardon. Merci Charlie. Mais aussi, mais regardez directement sur quoi je tombe, quoi. Le premier bloc que je pète, regardez sur quoi je tombe. Franchement, c'est pas de l'abus. Après, on s'étonne que Paka il en soit que là, quoi. C'est sûr que s'il avait ma chance. Oh putain, pas slot. En slot, j'ai complètement oublié son pattern d'attaque. Oh, mais ça va si c'est que les bombes vertes. No problemo. Oh oui, il invoque des conneries, ok. Oh putain, pas Bob Rottenhead. Anarchique Goubouk, ok, je me casse. Package rage quit. Bon, je suis concentré là. Je vais répéter les scores. Oh putain, mais stop, me fout contre ces saloperies. Ce mini-boss à la con. Ah mais non, mais sinon ce serait moins drôle s'il n'y avait pas les mini-boss. Oh putain, un Tempax, je prends. Ça fait quoi? Bah tu sais, Manta, ça c'est quand... Non, ta gueule, Paka. Arrête-toi là. Mon dieu, alors c'est quoi le premier boss? Oh non, mais genre je tombe là-dessus, quoi. Ok, donc de la chance sur les items, mais sur les boss, je peux repasser, hein. Ouais, enfin bon, au moins t'as de la chance sur quelque chose, ça. Ça va, depuis tout à l'heure, tu tombes sur des mobs sympas, quoi. Ouais, mais faut pas lui en vouloir, Charlie, il en a pas beaucoup vu dans sa vie. Hein. Non, faut dire que moi je suis pas. J'en fais pas la collection, mais après, Paka, c'est vrai que c'est... chacun son trip, hein, voilà. Ouais, mais bon, après, quand tu as l'habitude de côtoyer des jeunes filles. Des jeunes filles? Ah, donc si vous êtes abonné à la chaîne de Paka, sachez qu'il les préfère carrément plus jeunes que lui, visiblement. Hein. Jeune fille. Ça peut pas dire 8 ans, toi, c'est n'importe quoi. Bah, je sais pas, tu dis jeune fille, assume maintenant. C'est un terme, on dit pas une vieille femme. Non, on dit... On... Mais tu donc point un gentleman, mon cher. Mais absolument pas. Eh bien, malheureusement, c'est bien malheureux. Par contre, là, ils sont tous cramés, c'est bien, c'est trop bien. Et maintenant, je tombe sur une culotte, putain, mais tant pas que ce culotte, mais qu'est-ce que le jeu essaie de me faire comprendre, là-haut, calmez-vous. Bon, t'as... je crois que le jeu, il veut que toi, tu... Ta gueule, Paka. Par contre, ça fait combien de temps... Paka, oula, l'utilise pas, ça te fait des dégâts.
Ça fait super mal aux adversaires, mais ça fait des dégâts. Franchement, me foutre une ceinture d'explosif autour du cou, enfin autour du corps même complètement, en appelant ça Kamika, je pense que j'avais à peu près saisi. Par contre, Paka, ce que je te propose là, c'est qu'on fasse, qu'on coupe et qu'on relance le live, tout simplement parce que sinon Twitch va jamais réussir à lancer la rediffusion sur YouTube. Hein. Je te rappelle qu'il est 1h30 maximum, je sais pas depuis combien de temps on a lancé le live, mais. Ah bon, c'est 1h. 1h30, ouais. Ah bon, on l'a lancé à 20 et quelques. Bon. Ouais, à 20 à peu près. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, vu que j'ai bientôt fini mon level machin, on... Ok. Comme tu veux. Non, bon, on va attendre que tu aies terminé. Ça aurait pu être très long. Ah, tu veux dire de l'étage, là? Ouais. Ah, ok, oui, bah oui, ça, on peut largement attendre. Je pensais que ça allait être ton try. On peut aussi attendre, hein, parce qu'avec toi, c'est assez rapide. Terminer quoi? Ton try. Ton essai, ta vie, là. Ouais, on va commencer par un truc simple. Hein. Alors pour ceux qui savent pas, ce boss, si vous cassez la partie du milieu en fait, ça pète le tout. Hein. Mon dieu. Et je saute dessus. Alors. Ah non, c'est ça qui multiplie les bombes. Voilà. Hop. T'as à quel étage? Le deuxième. Ah ok, bah je t'ai rattrapé et dépassé déjà. Pas possible, hein. Ça sera jamais. Échelle, où j'ai une sorte de truc qui doit être de l'adrénaline ou quelque chose dans le genre. What? De l'adrénaline? Bah je sais pas, une espèce de seringue verte. Ça me paraît bizarre. Ah, virus, je crois. Peut-être. En gros, quand les touches te monstres, oui, quand les monstres te touchent, ils se prennent des dégâts. Non, c'est speed and range. Donc, Vitesse et portée. Non, j'ai pas assez pour moi, je peux plus. Mon dieu, crevez, bande de charades. Plus vite, ça va être bien, j'aime bien me déplacer vite, j'aime pas être lent comme ça. Ouais, mais à être trop rapide, au bout d'un moment, c'est injouable. Mais ouais, mais t'inquiète pas, du speed. Oh, encore l'autre qui crache ses mouches, là. Oh, mais ça va, c'est le boss le plus simple. Ouais, le plus simple. On va en profiter pour aller boire, je crois. Enfin, je tire deux fois plus de larmes, en fait, parce qu'il y a... une espèce de bobby machin, là. Aïe. J'ai hâte que tu tombes sur le trinket. Ah oui, non, tu as pas le trinket. Tu t'auras jamais de trinket, toi, c'est abusé. Oh là là, comment je l'ai violé. Ah, oh, ça fait plaisir. Tellement de style. Piu-piu. Hop. Diner. Parfait. Diner. Donc plus de vie. Oh, voilà. Cool. Oh, trop cool. Bon, bah, on coupe le live ici. Et, ouais. Et on reprend, bah, dans un instant. Voilà. À tout de suite. À tout de suite.